Salut tout le monde, c'est Benchy. Cette semaine, on revisite la ruche qu'on a renforcée la semaine passée. Pour vous donner une idée comment ça a fonctionné, voici l'entrée de la ruche aujourd'hui. Comparez ça avec la vidéo de la semaine passée, vous allez voir, c'est assez incroyable. Bon visionnement à tous! Voici maintenant la ruche numéro 2. On va faire l'inspection rapidement. On fait maintenant l'inspection de la Flo-Hive. La Flo-Hive, vraiment, boum! Elle est vraiment pleine d'abeilles. Ma plus grosse ruche cette année, c'est la Flo-Hive. Regardez ça. Beau miel, prêt à être récolté. Ben, pas tout à fait. Là, il faut vraiment que 80% soit operculé. Donc, il faut qu'il y ait un bouchon comme ici. Mais ça, c'est du miel, là. Et ce cadre-là est super plein. Elle travaille vraiment fort. Le cadre du milieu, ici, là, est presque plein. D'après moi, cette année, avec la Flo-Hive, ça va être une bonne récolte. Pas d'œuf, pratiquement pas de couvain. Ça va pas bien. On a un problème à date, là. On a une des chambres à couvain qui est pratiquement complètement pleine de miel. Est-ce que c'est parce que les abeilles sont réticentes à en mettre du miel dans la Flo-Hive? Ou est-ce qu'il y a une autre explication, est-ce qu'il est arrivé quelque chose à ma reine, là? Donc, allons voir dans la première chambre à couvain ce qu'on peut trouver. Donc, il est possible qu'il soit arrivé quelque chose à ma reine, là. Un cadre de réserve dans la première chambre à couvain. Ça aussi, c'est pas bon signe, là. Dans le milieu en plus, où généralement on a des œufs et du couvain, vraiment pas bon signe. Un autre cadre de réserve. Ok, il s'est passé quelque chose avec ma reine. Ma reine est décédée. J'ai plus de reine pondeuse dans cette ruche-là. Ça va pas bien. C'est ma plus grosse ruche, c'est ma ruche la plus forte, puis j'ai plus de reine dedans. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On va insérer un cadre d'œuf pour que la ruche se refasse une reine. On va aller chercher un cadre d'œuf dans une autre ruche, puis on va venir l'insérer dans cette ruche-ci. Pour que les abeilles fassent une autre reine. Il n'y a plus de reine dans cette ruche-là. Là. Il n'y a plus d'œufs, il n'y a plus de reine. Donc, on a un cadre avec des œufs. On l'introduit dans la ruche orpheline. Les abeilles vont faire une reine avec ça. Et voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Venez visiter sur mon site web www.benchy001.ca et à la prochaine!